Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve dans le premier vlog aux États-Unis. Le programme de la journée, c'est que je vais aller à la plage avec Margot. Margot c'est une au pair française du coup qui habite en Caroline du Nord, mais on a 1h30 de trajet. Je lui ai dit bah, pourquoi pas de venir ici, et je pense que la prochaine fois j'irai vers chez elle. Voilà, détente entre filles, brunch, on va faire je pense un peu de shopping, on va découvrir la ville. Ça fait 2 semaines que je suis là, j'ai toujours pas découvert la ville, bref. Donc du coup on va la découvrir ensemble. En tout cas j'espère que ça vous plaira, et puis, voilà quoi. Bon du coup j'ai récupéré Margot, enfin Margot est venue chez moi, voilà. Oui. Margot donc, est venue. Enfin on se voit. On va ouais on va où d'ailleurs on va à Donut Dunkin. Ah ouais. Sinon en fait Starbucks ils ont pas trop de trucs là-bas j'ai l'impression, enfin comparé à la France. Donc bon écoute tu sais quoi, on va voir. Ah mais il y a Farm from Friends, au pire il y a Farm from Friends. Il y a Far From Friends. Tu veux qu'on passe en une boutique française et du coup il y a des Français là-bas. Ah bah oui, on peut y aller. On peut y aller. Les meufs sont aux États-Unis mais elles vont voir les Français quoi. Voilà, Far From Friends. Et puis si on ne trouve rien, on ira à Donut Dunkin. Enfin, c'est Paris, c'est... Bref, t'as compris. C'est des Parisiens qui ont le truc. C'est... En fait, je sais pas mais c'est... Il y a que des personnes qui parlent français. Ah oh, c'est pas génial. Pas. Et en fait, il y a des étudiants qui travaillent. Les étudiants qui travaillent dedans, en fait, tous les gens qui travaillent, c'est des Français. Des Français, c'est trop bien. Bon, pire, on va à Donut Dunkin. Hein. Ouais. Parce que je sens que ça va être trop cher en fait. Ça sert à rien. Et c'est mignon. De quoi? Genre, ça, c'est style français à l'intérieur et tout. C'est une boulangerie. En vrai, c'est comme une boulangerie, t'as deux tables, mais c'est pas ouf. Bon, finalement, on n'est pas parti à Dunkin. Parce qu'en fait, on s'est rendu. On n'est pas convaincu. En fait, on n'est pas convaincu, donc on va aller au Starbucks au final. Donc. Bon, bah, du coup, on est au Starbucks. Exactement. Et voilà. Ils ont écrit Margot. Attends, je vais montrer. Quoi? Ils ont écrit Margot. Ouais, avec un J, bon, écoute. Bon. Je sais pas, on s'est pas compris ici, mais. Avec un i, mais de toute façon, comme je disais, moi je ne fais plus d'efforts. Même à Paris, je. Voilà, les gens écrivent comme ils veulent, moi je suis fatiguée. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Far From Friends, une boutique française. Donc, du coup, on a pris un muffin. Enfin, moi j'ai pris un muffin et Margot elle a pris un pain au chocolat. Moi qui est très bon apparemment, donc. voilà. Allez, ça a 20 minutes. Non, 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 non. Oui, si on a 20 minutes de la plage. Let's go. Ouais, 20 minutes. Attends, bah, l'Andromou. C'est joli. C'est très beau. Je suis très près de la caméra. Oui, franchement, là, on est un peu perdu. Perdu là. Mais c'est très joli. Très. Je sais pas. très plage américaine. Ah, très Outer Banks. jamais rien de la série. Ah, mais, donc, tu veux le dire. C'est beau. Ah, la plage. Glace. Ah, combien de glace là. Non, mais. Attends. Mais non. Non, mais attends, mais. Oh mon dieu. Et oui, les gars. Là. Là, on a vraiment beaucoup de chance. Oh mon dieu, je suis trop contente. La place est juste plus, là. C'est juste à côté, genre il y a l'entrée de la plage là. Et là, sur la plage, on a trouvé une place. Attends, mais alors comment on paye? Non, parce qu'elle s'est déjà pris. Qui s'est déjà pris quoi? Toi, une amende. Ah oui. Ah, ça y est, on a trouvé. Du coup, on a trouvé une place, c'est trop bien. Every vehicle en fait, must pay for parking. Ah tu vois, on doit payer pour avoir une place. Du coup on a réussi à mettre, mince, un contre-jour. Après un quart d'heure, on a réussi à imprimer. Oui, voilà. Parce que je me suis déjà pris une amende, donc là maintenant on va aller faire les choses bien. Donc on a pris ça un petit ticket. Un braquage, mais... Ouais, 5 dollars, une heure. Du coup ça, c'est... Voilà. Yeah. Ça, tu galères pas trop. Ça y est. Chaussures, c'est évidemment, pas. On va faire sur mon temps. Bah oui. Je crois qu'après on peut tourner à gauche et c'est là qu'il y a les vagues. Sinon on peut rester là.
Salut. On a pris 2-3 photos en bas et là on va prendre des photos les... en haut. Ouais, franchement c'était trop beau. Je pense qu'on voit pas là, on a un contre-jour. Waouh. On est une instagrammeuse. Bon du coup on est on repart. Là, on est fatigué parce que c'est du sport hein. En plus notre ticket là de voiture il est censé je crois que ça fait 2 minutes qu'il est fini. Donc faut qu'on se dépêche aussi parce que voilà. On veut pas se prendre une amende. Exactement. On va essayer de voir s'il n'y a pas un resto où on peut manger des moules. Parce qu'on a envie de moules. C'est quoi cette envie, je te jure. Non mais moi j'ai trop envie de moules. Moules frites, marinières. Oh, s'ils ont ça, tu vois. Et voilà. On a réussi à avoir notre nourriture donc on est contente. Ouais, on n'a pas de moule. Non, on n'a pas de moule mais on a. Moi j'ai pris un burger et Margot t'as pris quoi? T'as pris poulet. Ah, j'ai tellement hâte de manger. Mon dieu, j'ai hâte. C'est à l'heure espagnole là, il est 15h. L'heure espagnole. Non mais après ça va parce que on a mangé vers midi, 11h30. Ouais. On a mangé à 11h30 le film. Le muffin et le chocolat chaud, donc c'est bon, on est bien là. On a eu l'eau plat. Oui. Donc du coup, on est arrivé dans le centre-ville. Voilà. Hey. Hey. On s'est garé, j'espère que, enfin normalement c'est gratuit. Et là on va aller dans le centre-ville pour voir un petit peu les boutiques qu'il y a dans le centre. Et on espère qu'on trouvera notre bonheur. Exactement. Voilà. C'est la pose de tous les darons que Margot fait. Genre la pose elle est tellement reposante, c'est ce qu'on disait. Les darons qui marchent loin seuls. Grave. Avec les mains toujours derrière. Genre qui sont pas de ta famille. Grave. Et qui observent tout. Tu sais, ils sont comme ça, genre ils observent. Et tu vas les voir, tu leur dis ça va et ils vont dire oui ça va. C'est trop drôle. Passez sur mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Donc voilà. On se promène dans les rues de... On sait pas. On sait pas où on va, mais on se promène. Les maisons sont très jolies. Ouais, et amende de stationnement, elle va se prendre. Non mais grave. Une violation de domicile ou de... Ah, moi j'ai toujours pas compris. Privé. Et ouais, c'est très joli. Là, quand les voitures, on débâche. Ouais, c'est que... Ouais. Soleil, du coup. Tout fort, sympathique. Prêt. Voilà. Pour terminer la journée en beauté. En beauté. Voilà. Maintenant, Margot va la retourner chez elle. Bye bye, Margot. Margot, elle comme le soleil. Grave, aussi. Et on se retrouvera pour un prochain vlog. Hein. Exactement. En espérant que le prochain soit New York. Grave. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà quoi. Bye.